ils ont pas besoin de maître en fait. Besoin, non. Elles ont pas besoin, ça c'est sûr. C'est en vivant dans cette forêt que j'ai commencé à capter, à ressentir mes rythmes, mes cycles féminins, quoi. Et après de le sentir, de le vivre et tout ça, d'être plus à l'écoute de ton corps, comme il change et tout ça, et plus à l'écoute du monde autour de toi, comment il change, etc. C'est un truc, pour moi, qui est super riche, quoi. Et qui est même, j'ai même du coup du mal à comprendre comment on fait pour vivre sans ça, en étant aussi, je sais pas, aveugle, sourd et au monde dans lequel on vit, quoi, vraiment. Que tout est vivant en fait, tu vois. Et je pense de prendre conscience que tu vis dans un monde qui est en perpétuelle transformation, tu peux peut-être mieux du coup intégrer cette notion de que tout est, rien ne va rester tel qu'il est, donc de mieux accepter le mouvement de la vie et du coup de vieillir, de voir tes relations se transformer. Je pense que c'est que les bêtes et ce qui les entoure m'ont apporté de réfléchir et de ressentir tout ça, quoi. Vraiment.